Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 12 novembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Cérès, troisième course de la Réunion 1, où 13 trotteurs âgés de 5 ans uniquement en découdront aux alentours de 20h15. Lors de ce sympathique Quintet Plus, où ils ne seront malheureusement que 13 au départ, donc nous devrions assister à une belle bataille tactique. Le parcours emprunté sera celui des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes en nocturne, et nul doute que la qualité des pilotes pourrait faire la différence. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Greg De Niro. Ce cheval, entraîné par Thibaut Lefloc et portant la casaque du sympathique Jonathan Dossi, reste sur deux belles victoires acquises avec beaucoup d'autorité. Une nouvelle fois déféré des postérieurs et avec Mathieu Abrivard, il peut viser la passe de 3. En deuxième choix, le numéro 12, Goupil d'Ardenne. Alexandre Abrivard l'aime beaucoup et pense qu'il demeure en retard de gain. Restant sur un plaisant succès et deuxième plus riche de la course aujourd'hui, il vise logiquement lui aussi la victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Greg Davaroche. Jean-Michel Baudouin l'a préparé pour ce joli meeting hivernal et compte sur l'aide d'Éric Raffin pour le faire encore une fois terminer parmi les trois premiers et pourquoi pas passer le poteau une nouvelle fois en tête. En quatrième position viendra le numéro 10, Gogo des Malboro. Réalisant une très belle année 2021 puisque déjà lauréat de 4 succès récemment, il peut compter sur l'aide de Johan Le Bourgeois et le fait d'être déféré des 4 pieds pour la première fois afin de terminer parmi les 4 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Gosse Magique. Lui aussi reste sur un succès, et comme Julien Grumetz est un homme adroit, il faut le retenir, entrée au rang. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Graize. Ce fils de Viking de Val a de grosses qualités, et Arnaud Desmottes ne le défère pas des 4 pieds sans raison. En avant-dernier choix, le numéro 3, Grisou Atou, qui pourra bénéficier de l'aide du sympathique et talentueux Björn Goup, ne sera pas à oublier au moment du choix. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Gamet des Croasses. Hervé Sionneau le trouve d'une belle régularité dans l'ensemble et espère simplement qu'il remportera une course de ce genre durant le meeting hivernal. En cas de non-partant, le numéro 5, Granit Gala, qui enchaîne les bonnes performances actuellement, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono fait encore sauter la banque en indiquant le tiercé dans le désordre de 125€, le quartet désordre de 270€ et le quintet toujours dans le désordre, tenez-vous bien, ce dernier affichant un rapport ahurissant de 2720€ tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offre